Coucouture. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តក៏ចំណើរការនីតិវិធីសន្និបាតឯកការពីមុននេះបន្តិចអង្គជំរះបានទទួលនៅលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសន្និបាតការិយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សន្និបាតការនេះរបស់ចៅមុនជាចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចចង់អារម្មណ៍បានយូរហើយដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសន្និបាតការ មានប្រសិទ្ធភាពនេះពេលខាងមុខខ្លួនទុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសន្និបាតការនិងមានវត្តមាននៅផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សន្និបាតការនេះនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ល្ងាចហើយដោយផ្អែកលើមូលហេតុនេះនឹងយោងតាមបទ បញ្ញត្តិនៃមេត្រាវិធាន836ប្រាំនៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មភាពនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសើសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃនេះហើយដែលលោកនួនជាលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះហើយឧបករណ៍ផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័
Son Sen was military, and Vorn Vet was industry, I believe. Correct me if I'm wrong. Please. សូមអរគុណហើយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងទៅនឹងវៀតណាមកាលពីម្សិលមិញអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាវៀតណាមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមានក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌ទេតើក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីតើវៀតណាមចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1ចិនបួនក្នុងគោលបំណងអីដែរបាទ Thank you. The answer was regarding your co-defense lawyer's question about the invasion, and he asked if it was a humanitarian invasion, and I said no, it was an invasion as a result of the border war. That there were humanitarian consequences, but the invasion itself was not humanitarian. សូមអរគុណអ្នកស្រីហើយខ្ញុំអស់សំណួរបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំបន្តទៅនេះអរគុណបាទបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះសូមអញ្ជើញ Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame Becker, je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de M. Kesampan. Je sais que vous parlez parfaitement le français, donc je vais vous demander de faire attention, comme avec mon confrère Copé, de bien marquer une pause pour la traduction. Et j'ai quelques questions de suivi et de précision par rapport à votre déposition. Vous avez indiqué, Madame Becker, que vous étiez au Cambodge avant le 17 avril 1975 et que vous êtes restée, si j'ai bien compris, environ 2 ans. Est-ce que j'ai bien compris que c'est au Cambodge que vous avez exercé la première fois en tant que journaliste? Yes. J'ai compris aussi de votre déposition que vous avez d'abord travaillé pour une revue qui s'appelle Far Eastern Economic Review. Est-ce que, comme son nom l'indique, c'était une revue essentiellement avec des articles économiques? No, it was a Hong Kong based news magazine. And the focus was closer to what we know as The Economist, where it has a strong economic component, but it has also it's political as well. So you had the front part was largely the political issues, and in the back of the book, the back part was more economic business. Et si j'ai bien compris, vous avez couvert la guerre, parce que vous êtes arrivé, donc si je comprends, en 72, la guerre battait son plein. Vous êtes parti en 74, c'est bien exact. C'était la première fois entre 72 et 74 que vous veniez au Cambodge. Yes. Donc, vous l'aviez toujours connu sous la période de la guerre, en fait. Vous n'avez jamais connu le Cambodge en temps de paix. C'est bien exact. Et vous avez toujours connu le Cambodge en temps de paix. Yes, the war was going on when I came. Je voudrais savoir si pendant cette période-là, vous êtes resté à Phnom Penh ou si vous avez eu l'occasion de visiter la campagne. Uh,
Yes, I traveled throughout Cambodia. But how can you ban for the Nana to them? The provinces, yes. Quand vous dites que vous avez voyagé dans tout Cambodge, vous avez voyagé également dans les zones de combat? Yes. Je voudrais revenir à votre ouvrage en français Les larmes du Cambodge, et particulièrement un extrait. Donc il s'agit du document E3/20, le RN en français est le 00638304. Peut-être pour vous, d'abord, c'est page 17 dans votre exemplaire en anglais, normalement. Donc le RN en français 00638304. Le RN en anglais 00237722. Et les ERN en Khmer, puisque c'est sur deux pages, 00232020 jusqu'à 0,28. Vous évoquez dans le passage qui m'intéresse les conséquences des bombardements américains dont on a parlé tout à l'heure, enfin dont vous avez parlé tout à l'heure, et vous dites « La superficie des rizières tomba de 3 millions d'hectares au début de la guerre à un peu plus de 500 000 à la fin de la campagne de bombardement. Première question au sujet de cet extrait, d'où est-ce que vous tirez vos chiffres ? Parce que je n'ai pas vu une note de bas de page. The bombs are the explosives of the bombs are through Freedom of Information Act, and it's now public record. And I believe the Hectares and is from the World Bank, but this is my memory only. And I think that it may not be a footnote, but it's in the bibliography. Je remercie de cette précision. Et pour en revenir à ce que vous avez pu constater en allant dans les campagnes, est-ce que vous avez pu voir de visu les destructions de ces rizières et de ces zones cultivables? Are you talking about 1978 or during the war? Non, non, je suis toujours avant 75, okay. Pendant que votre premier séjour. Well, during the war, at the beginning, in the bombardment was the very first half of 1973. So what you saw was clusters of destruction, and we would go and measure the bomb craters to verify that in fact these were B-52 bombings, because that was a critical question, and we would interview refugees, we'd look at the destruction. We had, I remember going to one area, I think it was Kandal province, where I tried to figure out exactly how much acreage was destroyed. And the local leader and I walked through which families were gone, where they had fled, so on and so forth. And it was just simply going from one area to the other trying to do it, because it was a huge, as Mr. Nguyen Chia was talking about, it was a huge issue in the United States. And the reporting was very important in terms of the attention of the U.S. public and the U.S. government on what was going on in Cambodia. So it was very much, those first 6 months was how much was destroyed through the bomb. Je passe à un autre sujet, toujours
En rapport évidemment avec votre travail, vous avez été interrogé lors de votre premier jour de comparution par Monsieur le juge Lavergne sur un article intitulé en anglais « Wait until the movie ». Il s'agit du document E3/651, ORN en français S00632848, ORN en anglais S00007037 et en Khmer S00649994. Il y a un terme qui m'intéresse particulièrement dans cet article, c'est quand vous évoquez Pol Pot et vous utilisez ce vocable, le leader de la nation Pol Pot, dans ce document. Et c'est un article qui est daté du 22 octobre 1977. Ma question est en lien avec ce que vous avez indiqué sur le régime du Kampuchea démocratique, le fait qu'il était fermé, qu'il ne communiquait pas, etc. Et nous avons vu au cours du premier procès qu'il y avait beaucoup de postes de façade et que la figure de Pol Pot n'est pas arrivée forcément aux yeux du monde immédiatement. Donc vous, qui avez connu le Cambodge en 72-74 et qui avez suivi par la suite, je voudrais savoir si vous vous souvenez à quel moment vous avez su que Pol Pot était le leader de la nation. In 1974, I did a long piece for the Washington Post called Who Are the Khmer Rouge? And in that piece, identified a man named Salat Sar as the head of the party and the leader of the Khmer Rouge rebellion. And so since 74, I had printed that it's Salat Sar, but learning that his name was Pol Pot was 1977. Quand vous voulez dire, vous avez appris que son vrai nom, vous voulez dire, vous avez, en français, j'ai entendu, j'ai appris que son vrai nom, vous voulez dire, son surnom était Pol Pot. His nom de guerre, yeah. Yes. 1974, he was still Salat Sar. And if you remember, there was a publication issued in China, 1972-73, describing Grunk. And it was on the occasion of Prince Sihanouk's visit to the liberated zones of Cambodia. And Mr. Khieu Somphan was his host, the leader of the front, and if you keep going through the pages, there is Salat Sar and Mr. Nguyen Chia there, and the people who are watching how things go, that was sort of the beginning of, oh yeah, these are the two who are really in charge, and that was the beginning of tracing who would become the real rulers, and in fact, Pol Pot and Nguyen Chia became number one and number two. Donc, pour revenir à votre article de 77, vous m'avez dit que le moment où, aux yeux du monde, Pol Pot est arrivé en avant, sur le devant de la scène, ce n'est pas avant 77, on est d'accord. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment de 77? The exact date, no. Nous reviendrons à Pol Pot et à votre entretien avec lui en 78, mais je voudrais passer à un autre thème.
la discussion sur les rapports entre le Cambodge et le Vietnam a été largement discutée au cours de votre déposition. Mais est-ce que nous sommes d'accord pour dire que les problèmes entre le Vietnam et le Cambodge ne sont pas nés avec le Cambodge démocratique, mais existaient bien auparavant? Oh yes, historically yes, and they continue today. Je voudrais revoir avec vous un passage de votre ouvrage, donc toujours document E3/20, ERN en français 00638397, ERN en anglais pour vous, pages 124 et 125, ça se chevauche, et l'ERN en anglais est le 00237829, et ça va sur le 30, et en Khmer, également sur deux pages, 00232165, allant jusqu'à 166. Et vous parlez de, du régime de Lon Nol, et voilà ce que vous dites. Au début du mois d'avril 1970, Lon Nol avait ordonné à ses hommes d'installer des camps de détention pour tous les citoyens vietnamiens. La troupe arrêta les Vietnamiens, les parqua dans de vastes bâtiments abandonnés. Une Cambodgienne se rappelle un de ces sinistres camps situés près de chez elle. Les soldats réquisitionnèrent une maison déserte près du temple et y enfermèrent les Vietnamiens. Ils n'avaient rien. Ils dormaient dans des hamacs, restaient assis toute la journée sans rien faire à l'intérieur du camp. Lon Nol les haïssait. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre la raison, si vous en souvenez, de ces arrestations en avril 1970 des ressortissants par Lon Nol? The official was that they're worried that it's the traditional enemy. When Lon Nol was the military head under Prince Sihanouk, he implemented an agreement between Prince Sihanouk's government and Hanoi to allow North Vietnamese to transport a lot of material from Sihanoukville over to the eastern sanctuaries, eastern Cambodia sanctuaries. And when he was part of the coup d'etat against Sihanouk, he knew exactly where all those sanctuaries were, and within a few days he asked for the Vietnamese to leave. Didn't happen. And that's sort of the official, traditional enemy. Underneath it, there's a racial component that is just simply racism, where he took these Vietnamese who had nothing to do with North Vietnam or Hanoi or the South Vietnamese communists and used them as scapegoats and eventually, as you know in this chapter, turned them into, put them into camps, enemy of war camps, even though they had nothing to do with the war, and murdered them, and it was a pogrom. D'ailleurs, et je poursuis sur la même page, voilà ce que vous dites ensuite, la campagne se transforma en pogrom. Le gouvernement reconnut avoir arrêté quelques 30 000 Vietnamiens et emprisonné 7 000 d'entre eux suspects de trahison. Il ne reconnut cependant pas les massacres raciaux dont la nouvelle parvenait à Phnom Penh. Fin de citation. Ça correspond à ce que vous avez indiqué. Ma question suivante par rapport à cette période-là et au fait qu'on s'en prenne, que le régime de Lon Nol s'en prenne aux Vietnamiens, est-ce que ce n'était pas aussi en lien avec le fait que Lon Nol était soutenu par les Américains qui avaient aussi besoin de casser les poches de résistance vietnamienne sur le territoire cambodgien?
On the contrary, it really infuriated the Americans because it upset the relationship with South Vietnam. If you remember, the United States, what the goal of the United States was to have an alliance between Phnom Penh and Saigon, and after the pogroms, there was a big uproar. And it took a while. I think, if I remember correctly, I have to read it. I believe, in fact, Saigon blocked the Mekong after this because they were so furious. J'en reviens précisément à une remarque que vous avez faite le 9 février, donc, lundi, vers 10h56, où là, nous sommes à une période ultérieure, hein, là, j'en reviens à 78 et à votre voyage. Toujours à propos du Vietnam, vous expliquez que je vais reprendre vos termes exacts, ça va être plus simple. Si je les retrouve. Vous dites donc à 10h56, là vous avez évoqué le livre noir et la préparation que vous avez faite de votre voyage avant 78, et dans lequel vous indiquez que le langage était fort, et vous dites ce qui était tout à fait remarquable à l'époque, c'est de voir à quelle vitesse des anciens alliés sont devenus les ennemis, et le langage utilisé était très fort, très marqué. Fin de citation. Donc ma question par rapport au contexte de l'époque et au contexte de la guerre froide, c'est est-ce que précisément cette période de la guerre froide n'était pas propice justement à ces changements d'alliance en fonction de changements politiques et en fonction de, vous avez parlé du schisme au moment sino-soviétique, est-ce que justement ces alliances ne changeaient pas un petit peu au fil des jours en fonction des évolutions des tensions et des rapports de force? Well, that's, I was not alone, and yes, it was very quick, and that's why I said it was remarkable, and I think Malcolm Caldwell's comments throughout our trip reflected that. He was so taken aback by this. And it was clearly part of the Sino-Soviet split. Yes, no question. You're right. Quand on met ce problème politique et ce problème d'alliance en lien avec ce qu'on vient de décrire, à savoir les tensions historiques qu'il y avait entre les deux pays, est-ce que finalement c'était si étonnant que ça, ou c'est juste un aspect que vous n'aviez pas envisagé qui pouvait ressurgir à ce moment-là? Parce que quand on historiquement, les problèmes étaient récurrents et les tensions étaient récurrentes. Donc, pourquoi est-ce que c'était si étonnant finalement? I wish I'd been that brilliant, but I wasn't. When I wrote that first article I was talking about in 1974, I did write that despite what the United States policy was, there was clear evidence that there was tension between the Vietnamese communists and the Cambodian communists. But based on the fact that the Vietnamese communist armies in the first 2 to 3 years of the war had taken the bulk of the fighting to defeat the Khmer Republic's army so that the Khmer Rouge forces could build up, arm and so on and so forth, it was the equilibrium was very much in doubt. I'll refer to my colleague Nayan Chanda, as he wrote in his book, Other Enemy, it still caught most of us by surprise. Je voudrais revenir à un passage de votre ouvrage, toujours document E3-20, ERN en français, 00638548.
URN en anglais, pour vous, page 291, 00237 99 6, je crois. Et en Khmer, 00232 385. Voilà ce que vous écrivez. La menace vietnamienne était une création des Khmer Rouges. Les désaccords, les conflits potentiels ne manquaient pas entre Phnom Penh et Hanoï. Et les deux pays devaient encore régler le différend frontalier de 1975 qui avait conduit au fiasco du Mayaguez. Le Cambodge refusait de discuter de la proposition vietnamienne d'établir des relations privilégiées entre les deux pays. Mais tous ces problèmes auraient pu continuer à couver pendant des années sans déboucher sur un fin de citation. Ma première question, je vais vous la poser, mais après vous avoir soumis un document qui normalement vous a été soumis dans la liste que nous envisagions, mais j'ai un exemplaire avec l'aide de monsieur l'huissier et avec l'autorisation de monsieur le président. Il s'agit d'un PV d'une réunion du comité permanent E3/221 qui s'intitule en français Étude de la réaction des Vietnamiens au cours de la cinquième réunion le matin du 14 mai 76. Et en français, le RN commence par 00386175. En anglais, 00182693. Je n'ai pas le RN en Khmer de la première page, mais c'est le document E3-221. Et je vais vous diriger sur une partie particulière. Et là, j'ai les ERN dans les trois langues. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, si on peut remettre ce document à Madame Becker. Pour information, Madame Becker, la partie que je vais vous faire commenter, c'est la fin du document, là où il y a la petite étiquette rose. Et à l'intention des parties, le RN de la partie que je veux commenter est en anglais. 00182704, et ça se poursuit sur 05, en Khmer, 00000. 5 x 0, donc 8 de 5, et ça se poursuit sur 8 de 6. Et en français, c'est le 00386190. Donc c'est une réunion du comité permanent, et la partie que je vais vous faire commenter, que je vais vous lire au préalable, c'est là on prend la fin d'une intervention du camarade secrétaire Pol Pot, et il évoque le problème frontalier avec le Vietnam et les discussions, les négociations qui sont en cours. Voilà ce qu'il dit. Même si nos positions sont différentes, selon nous, si notre parti étudiait le sujet, ça nous éclairerait sûrement plus. Et selon l'expérience, le temps nous a permis de nous connaître et d'être solidaires. On arriverait certainement à une solution. À l'heure actuelle, il paraît impossible de trouver une solution. Mais en réalité, nos deux parties, nos deux peuples, sont toujours solidaires et s'entendent. Les camarades ont également dit que le Kampuchea considère la question de la solidarité comme une ruse du Vietnam, alors que nous considérons le Vietnam et l'esprit de solidarité et d'amitié qui nous lie comme un objet sacré. Si on se basait sur cette position, on est persuadé qu'on arrivera à une solution. Les obstacles qui existent actuellement sont uniquement d'ordre technique. Si on se basait sur la politique, sur l'esprit de solidarité et d'amitié, et sur la compréhension mutuelle, ce qui a toujours existé entre nos deux parties, on parviendrait certainement à résoudre ce conflit. De notre côté, nous allons renforcer et élargir de plus en plus. Quel que
quelques problèmes concrets. Nous avons nié tous les événements qu'ils ont soulevés. Nous avons comme principe d'arrêter la circulation à 500 mètres de la frontière. Nous leur avons recommandé d'en faire de même pour éviter les conflits. Nous avons refusé à tout prix, à part ça, proposer au comité de liaison de se communiquer sans interruption, dit que les ennemis ont mené des actions. Parfois, les ennemis ont provoqué des problèmes pour détruire nos négociations. Donc ça, c'est Pol Pot qui parle. Ensuite, camarade Nguyen intervient. Il dit, apparemment, ils ne sont pas prêts. Ils tournent autour du mois de juin. Ils veulent le mois de juin. Donc, il faut faire une quelconque concession, à moins qu'ils n'acceptent nos principes pour négocier. Ensuite, camarade Van Yensari intervient. Ils ont dit qu'à aucun prix, ils n'accepteront la ligne Brévier, mais dans quelques temps, ils pourront peut-être considérer à accepter cette ligne Brévier. Fin de citation. Donc, dans ce qui apparaît être une discussion sur les négociations avec les Vietnamiens, il est évoqué la question de la ligne Brévier. Est-ce que vous pouvez brièvement indiquer quel était le problème entre les deux pays par rapport à cette ligne Brévier, ce qu'était cette ligne Brévier? The Brevier line is the maritime line, and the Vietnamese objected that it was a French colonial division and did not represent what they considered their territory. Et est-ce que nous sommes d'accord pour dire que, au niveau frontalier, le point essentiel de la discorde correspondait à cette ligne Brévier? In these discussions, but eventually the conflict is much more on land. Ce document et cette discussion datent de mai 76, et j'en viens au dernier paragraphe du document avec la conclusion du camarade secrétaire. Voilà ce qu'il dit. Donc, nous adoptons le profil bas. Nous irons donc regarder son film, puisqu'il y a une question d'invitation de film par les camarades vietnamiens. Il n'a aucune raison de nous attaquer, parce que nous avons encore un sourire franc. Nous ne l'avons jamais insulté. S'il attaquait, il ne gagnerait rien, il n'y aurait que des pertes. Fin de citation. En mai 76, apparemment, on est encore dans la négociation et il semble que du côté du Kampuchea démocratique, en tout cas, il y a une volonté de continuer le dialogue et d'éviter que les choses tournent au vinaigre en termes de combat. Est-ce que il y a une évolution de cette situation et est-ce que vous savez pourquoi? That they went from trying to find a non-violent resolution in Brevier to a land conflict. Using the documents, it's because they started to see Vietnamese, very separate from this border issue, as interfering in their internal life and accusing many, many members of Democratic Kampuchea of being agents for Vietnam. On va revenir sur cette question un petit peu plus tard dans mon interrogatoire, et notamment par rapport aux discussions que vous avez pu avoir avec Pol Pot
dialogue avec Kinsari. Mais avant d'arriver à ce point-là, je voudrais revenir à la préparation de votre voyage de 78 et ce que vous aviez indiqué comme les entretiens que vous avez eus avec les officiels américains. À l'audience, vous avez parlé d'officiels américains de façon générale. En tout cas, en français, c'est comme ça que c'est sorti. Mais je voudrais reprendre un extrait de votre ouvrage où vous êtes un petit peu plus précis. Donc, document 3/20, URN en français 00, 638, 654, URN en anglais, et pour vous, je suis désolé, je n'ai pas la page, si c'est la page 402, pour vous. Et donc, URN en anglais 00238115 et URN en Khmer 00232533 et ça se poursuit sur la page 534. Voilà l'extrait de votre ouvrage où vous parlez de ces entretiens avant votre voyage. Et voilà ce que vous dites. Dudman et moi avions été informés de la situation critique du Cambodge avant notre arrivée. J'avais discuté avec des experts du département d'État, du ministère de la Défense et de la CIA à Washington. À Bangkok et à Pékin, j'avais rencontré des spécialistes politiques et militaires américains, français, canadiens, australiens et chinois. Aucun ne m'avait prédit une guerre à grande échelle entre le Vietnam et le Cambodge. Tout au plus, selon eux, les Vietnamiens pousseraient jusqu'au Mékong et s'y arrêteraient, satisfaits de contrôler la rive occidentale du fleuve avant de poursuivre vers la capitale au cours d'une offensive ultérieure. L'un des plus éminents experts américains, un vieil ami, m'assura à Bangkok que mes craintes au sujet des rumeurs de guerre, je parle trop vite, l'un des plus éminents experts américains, un vieil ami m'assura à Bangkok que mes craintes au sujet des rumeurs de guerre et de ma propre sécurité étaient sans fondement. Ce sera du gâteau, conclut-il. Tout d'abord, première question, est-ce que dans le cadre de déplacements à l'étranger, il est fréquent pour vous en tant que journaliste de vous entretenir avec le département d'État, le ministère de la Défense et la CIA? In this situation, it's not always known, but in this situation, because first of all, my newspaper was worried about my safety, and we were going someplace strange. I did go the extra mile and talk to them. And of course, what's not in here too is I obviously had to go to see the Chinese in order to get my visa. But they did not give me any briefing whatsoever. It was just a visit. Et quand vous dites que vous avez discuté avec eux, c'est vous qui étiez en demande d'un entretien ou c'est votre journal qui a arrangé l'entretien avec tous ces officiels? Oh no, the newspaper, as a journalist, you call the press spokesman and say, I need a background briefing on safety and security in Cambodia. And that's what I did. Alors, forcément, la question qui se pose, c'est, département d'État, ministère de la Défense, CIA, chinois, canadiens, personne n'a prévu les choses. J'imagine que lorsque vous êtes rentré du Cambodge, vous avez essayé de savoir pourquoi vous n'avez pas pu prévoir, quelles informations sont venues entre-temps, enfin, est-ce que vous avez eu des informations sur le
pourquoi cette attaque qui est arrivée deux jours après votre départ du Cambodge, pourquoi elle n'avait été prévue par personne? Est-ce que vous avez pu avoir des informations par la suite? No one had a presence in the country. This is all very. This is one of the reasons why I was trying to find out what I could. But I knew no one had a presence in the country. France didn't have a presence in the country. Australia. This was. It was largely, Phibbs reports and so on and so forth. The United States didn't have a presence in Vietnam either. So it was a shot in the dark. There's no question. And was I? Of course, I was upset that what happened happened. But I knew that there was, as I said many times, this was a self-isolated country. En français, je l'ai compris, personne n'était au Vietnam. Vous voulez dire personne n'était au Cambodge ou vous me parlez du fait qu'au Vietnam, il n'y avait absolument aucun moyen d'obtenir des informations? Je veux être sûr que j'ai bien. There was no American presence in Vietnam. Mais dans ces conditions, sans présence américaine au Vietnam, sur quelle base est-ce que les gens du département d'État, du ministère de la Défense, de l'SIA étaient si fermes avant votre départ pour vous dire qu'il n'y avait pas à craindre pour votre sécurité? Ce que je veux savoir, c'est quelles étaient leurs sources d'information, du coup, s'il n'y avait rien du côté du Vietnam, il n'y avait rien du côté du Cambodge. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont-ils dit qu'il n'y avait rien à craindre? Pourquoi ils étaient persuadés qu'il n'y aurait pas de mouvement avant? Ils devaient avoir des informations de quelque part. D'où venait-elle? That was exactly my question. So how could you reassure me? And they said, because they have looked at all of the friendly delegation visits and they were treated extremely well, and that I would be treated just as well as the friendly delegations. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, leur... assurance était basée sur le traitement que vous recevriez du Cambodge, mais par rapport au conflit éventuel entre le Cambodge et le Vietnam, on ne vous a pas donné d'informations alors? I'll say it again. These were their estimates, and as you know, the United States shares military intelligence with many countries, and they said, based on the best information, this would not happen. That's the best. They did not assure me that it wouldn't happen, but they said, based on the best information, it would not happen. That's it. D'accord, on reviendra un petit peu plus tard avec ce que vous avez pu avoir comme information directement de Pol Pot et de Ieng Sary sur la situation avec le Vietnam pendant ce séjour. Mais je voudrais juste, avant la pause, deux points de précision sur les notes manuscrites que vous avez commentées, je crois, avec... Je crois que c'était avec l'accusation. Il s'agit du document E3/1171. Et c'est au sujet de votre rencontre, de votre déplacement du côté de Kampong Cham et de votre rencontre avec Pinh. En français, les ERN sont... Enfin, l'ERN est... 00-764-039. Et le premier passage en anglais, c'est le 00-087-858. Et en khmer, 00-726-606. Le passage, enfin les notes que vous avez prises en anglais,
00087858 sur le en haut à gauche normalement. Je répète une dernière fois 00087858. Alors, voilà ce que vous écrivez. Mitpin nous accueille, entre guillemets, chaleureusement. Il est membre du commandement de la route nationale 7 à Suong. Et voilà ce qu'il vous dit. En parlant de Viet, c'est vous qui le mettez entre parenthèses. Je suppose, juste une précision, quand vous mettez des observations entre parenthèses, ce sont vos observations, c'est bien ça? No, it's those of others. It's not me, it's those of others. Entre parenthèses, donc, je lis, ils sont venus à moins de 2 km d'ici, entre parenthèses et Viet, ils sont venus à Mimo. Donc, quand vous dites Viet, entre parenthèses, c'est quelqu'un d'autre qui a dit Viet ou c'est vous qui mettez dans vos notes pour vous rappeler qu'il parle des Vietnamiens The quotation is from Mitpin, and they, it's me telling myself that the they refers to Viet. D'accord, donc on est d'accord que, entre parenthèses, ce sont vos observations à vous. Entre guillemets, entre parenthèses. Donc je continue la citation. Ils sont venus à moins de 2 km d'ici, entre parenthèses, Viet. Ils sont venus à Mimo. Ils ont lancé une attaque. Nous nous sommes concentrés sur eux. Ils sont repartis. Puis 2 ou 3 jours plus tard, ils sont revenus. Nous avons mené une guerre de guérilla, la guerre vietnamienne régulière, entre parenthèses, évidemment, pureté idéologique politique dans la guérilla, fermez la parenthèse. Les Vietnamiens faisaient appel aux avions, aux chars, ils utilisaient l'artillerie lourde et l'infanterie. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé cette semaine-là. Fin de citation. Ma première question, c'est quand vous dites c'est ce qui s'est passé cette semaine-là, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin ou c'est Pin qui vous dit c'est ce qui s'est passé cette semaine-là? Est-ce que vous avez été témoin personnellement d'utilisation d'artillerie lourde et d'infanterie de la part des Vietnamiens? This is what Pin told me. Deuxième extrait. Donc à la page suivante en anglais et à l'ERN 00726608 en Khmer. Vous citez toujours Pin et il vous explique, il vous parle de l'offensive. Voilà ce qu'il vous dit. L'offensive a commencé en juillet et en août, presque continuellement depuis, mais l'intensité est nettement inférieure à 1977. En septembre, ils ont pénétré dans la région de Mimo, attaque constante, mais accrue en juillet, août, septembre, novembre. Bombardements les plus forts en juillet, août. L'utilisation d'avions montre la faiblesse des Vietnamiens. Les bombes de 250 litres utilisent en outre un gaz de couleur bleue.
pas de victimes de mort à cause du gaz, mais les gens ont des maux de tête, des vertiges, ils vomissent. Fin de citation. Là encore, je comprends que c'est Min qui vous parle de ces offensives. Est-ce que vous, dans ce que vous avez constaté lors de ce séjour à la frontière, est-ce que vous avez vu des vestiges d'attaques à l'artillerie lourde dans cette région? Et quand il vous a indiqué qu'il y avait des gens qui avaient des maux de tête, des vertiges et des vomissements, est-ce que vous avez fait un lien avec un gaz qu'en tant que correspondant de guerre, vous avez pu connaître pour avoir suivi des combats auparavant? Deux questions en une. The only thing I witnessed was in the far distance a clear exchange of artillery fire, and that was simply because of the sound and the smoke. I witnessed nothing else. And, during the war, I did not witness any gas, but I certainly heard of it. There was definitely... and I took photographs of this, signs of destruction of buildings. Not a lot, but I think the court has some of these photographs. I gave them to court. Monsieur le Président, j'en ai fait un mini sur cette ligne de questionnement et je crois que l'heure de la pause est arrivée. Je vais vous donner un petit peu de temps. សម្រាប់ចុះសូមជើញក្រោយឈរ